de l'analyse du commentaire, mais aussi de l'interprétation des faits d'actualité. On va aujourd'hui nous attarder au cours des quatre principaux sujets. D'abord, la relaxation de Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, lui qui a été condamné depuis le 30 avril dernier et il a recouvré sa liberté depuis hier. Mais dans quelles conditions? On va essayer de répondre à cette question au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la rencontre entre les animateurs des institutions, à savoir les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, les premiers ministres, mais aussi un représentant du président de la République. Ils ont rencontré les cardinals Fridolin Ambongo, ils ont rencontré également les représentants légaux de l'ECC, Bokundoa. Il a été question de parler de l'apaisement, de parler des relations entre l'État et l'Église. Donc voilà ce qui a été au menu des échanges entre les deux parties. On va aussi faire le point sur cette enquête dite Congo Hold Up, ces révélations qui accablent Joseph Kabila et sa famille. Est-ce que ces accusations sont-elles vraies? On va essayer de répondre à cette question également au cours de cette émission. Puis on va chuter avec les déclarations de Moïse Katumbi au niveau de Pologne. Katumbi qui estime que le pouvoir en place cherche à l'écarter de la course au fauteuil présidentiel. Est-ce que ce sont des accusations fondées? On en parle au cours de cette émission. Dans l'entretemps, on annonce également une probable rencontre entre Moïse Katumbi et les présidents de la République. Est-ce que les deux personnalités vont-ils s'y rencontrer? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau Siméon Issako. Il est journaliste, analyste politique, à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci Evry, merci à tous les téléspectateurs et internautes des Congo Base Télévision qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de venir répondre à ton invitation afin d'éclairer les Congolais sur plusieurs questions qui font la une ici chez nous en RDC. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, vous évoluez avec votre site Case Info. Alors, comment ça se porte? Ben, les sites se portent très bien. Les sites se portent très bien. Nous sommes à la une. Nous faisons toujours l'effort d'avoir aussi, en tant que site d'information, des informations de première main. Exactement. Donc, des exclusivités à nous-mêmes. Sur tout ça. À ce stade, Les je peux scoops. dire que, les scoops, je peux dire à ce stade que Case Info est aussi devenu un site source d'information pour d'autres médias. Et Exactement. donc c'était un combat, mais on n'est pas encore arrivé parce que nous sommes encore dans cette dynamique et de vouloir faire les choses pour qu'on soit, pourquoi pas comme ces grands sites du monde. J'aimerais parler peut-être de Figaro, du Journal Le Monde, Mediapart. des Mediapart, des RFI et qu'on sort. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui la floraison des sites d'information dans notre pays? Est-ce que c'est cette libéralisation du secteur de la presse? Comment analysez-vous ces phénomènes? Ben, d'abord, il faut noter que ici chez nous, nous avons une école de formation en journalisme, il ne faut pas oublier. Au-delà du fait qu'on a l'école de formation en journalisme, il y a les jeunes qui ont ce souci d'être Exactement. autonomes, de devenir patron de presse. Alors, je crois que c'est ce souci d'entrepreneuriat qui anime la jeunesse congolaise. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et je profite de l'occasion, de cet espace pour ainsi inviter les autorités du pays, en commençant par les chefs de l'État, à soutenir cet entrepreneuriat de jeunes. Il faut aider les jeunes à être autonomes, aider les jeunes à évoluer dans leur propre cadre, je veux dire, pour aider les pays à aller de l'avant. Il faut aider les Exactement. jeunes à créer les emplois, parce que tu as dit qu'il y a multiplicité de sites. Lorsqu'il y a multiplicité de sites, ça veut dire qu'on a besoin des journalistes qui vont travailler dans ces sites. Et lorsqu'on recrute les journalistes, on enlève une partie de la population du chômage. Eh bien, l'État a aussi l'obligation, par ricochet, de soutenir cette jeunesse qui a les soucis d'être autonome, cette jeunesse qui a les soucis de se prendre en charge, d'être patron d'elle-même. Alors moi, je suis heureux parce que depuis un moment, je constate que ce sont désormais des journalistes qui sont devenus propriétaires des médias. Ce n'est plus Absolument. les acteurs politiques comme c'était le Absolument. cas par le passé, les gens qui pouvaient définir des lignes éditoriales en fonction de leurs humeurs. Et là, c'est maintenant des journalistes qui se sont réappropriés les médias. Un Absolument, motif de fierté. c'est une fierté, oui, c'est une fierté, il faut le dire, c'est comme je le disais tantôt, il y a des écoles de formation des journalistes ici chez nous à RDC, c'est ce qui motive aussi
aussi tout cela. Mais la notion de la ligne éditoriale, eh bien oui, un journaliste peut être journaliste et patron d'un organe de presse. Il y a toujours cette question de ligne éditoriale qui nous colle à la peau. On peut beau être politicien, on peut beau être journaliste, mais la ligne éditoriale dépend toujours du promoteur, dépend toujours de l'initiateur de l'organe. Et donc, si tu as affaire à un journaliste, par exemple, qui est proche de Moïse Katumbi, eh bien, la ligne éditoriale ne va pas nuire aux intérêts de Katumbi. Très bien. Si tu as un politicien qui est proche de Katumbi ou de Tshisekedi, la ligne éditoriale de cet organe de presse qui appartient à ces politiciens ne va pas nuire aux intérêts de Tshisekedi. Donc, la ligne éditoriale, c'est une question qui dépend en tout cas des promoteurs de l'organe. On va parler actualité. Willy Bakong, ancien ministre de l'EPST, ancien ministre des Sports également, sous Joseph Kabila, patron des écoles les Sévignés. Il a été arrêté, condamné depuis le mois d'avril dernier, mais là, au moment où nous parlons, selon plusieurs médias, Willy Bakonga est relaxé, il a donc recouvré sa liberté. Alors, j'ai essayé de lire dans plusieurs médias, on parle d'une grâce présidentielle, bien que mes investigations me prouvent que le président n'est pour rien dans la libération de Willy Bakonga. Alors, est-ce que vous avez d'autres informations en rapport plutôt avec la relaxation de Willy Bakonga? Je ne vais pas me précipiter à trop parler là-dessus parce que je suis encore en train de mener mes enquêtes. Je suis encore en train de m'investir pour savoir pourquoi il est effectivement libéré. Si oui, il s'agit d'une grâce présidentielle comme on est en train de le dire, j'avais plusieurs médias qui ont parlé une grâce présidentielle, dont Radio Okapi. Mais je suis en train d'investiguer pour comprendre les véritables contours de cette liberté obtenue par Willy Bakonga. Il faut toutefois signaler qu'il a passé 7 mois. Sept mois déjà. Il a été condamné pour 3 ans. Oui, il a été condamné pour 3 ans. Il a passé 7 mois en prison, condamné pour les transferts illicites d'argent. Illégal des fonds à l'étranger. Je ne vais pas un peu trop épiloguer là-dessus, parce que, comme je l'ai dit, je suis en train de vouloir m'imprégner totalement de la question. Comprendre pourquoi Willy Bakonga est libre, parce que lorsqu'on parle de l'économie, Willy Bakonga, c'est vrai, il a été accusé pour ses transferts illégaux de l'argent, mais lorsqu'on parle de l'économie, il y a des principes qui font à ce que on ne puisse pas obtenir des libertés aussi comme on est en train de le voir avec Willy Bakonga. Et donc, je ne vais pas trop parler dessus, je ne vais pas trop m'atteler dessus. Peut-être je reviendrai avec des nouveaux détails lorsque j'aurai suffisamment recueilli des informations à propos. Alors, des questions se posent au sein de l'opinion. Est-ce que Willy Bakonga a-t-il payé ses amendes? Est-ce que Willy Bakonga a-t-il remboursé ou restitué l'argent supposé être détourné au niveau du trésor public? Et puis, des comparaisons. Pourquoi seulement Willy Bakonga, alors qu'il y a des prisonniers dits d'opinion? On cite les Barnabé Milingani, on cite les Jacques Indala. Pourquoi seulement Willy Bakonga? Bon, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de prisonniers d'opinion au moment où nous parlons sous ces régimes qui sont emprisonnés. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Barnabé Milingani, par exemple. Non, l'homme qui avait dit président Rolien Mbouma. Barnabé, voilà, tu viens de le dire toi-même, Barnabé était allé au-dessus, mais au-delà même du seuil du tolérable. Donc, lui parlait de la vie du chef de l'État qui est en train de vouloir mettre en péril. Là, personne ne pouvait accepter, personne ne pouvait tolérer. Je ne connais pas un seul prisonnier politique qui soit en prison au moment où nous parlons sous ce régime de Félix Tshisekedi. Je sais que il y en a qui ont été arrêtés et emprisonnés dans le cadre du procès des 100 jours, qui sont sortis de la prison par cette mesure des grâces présidentielles qui a été décriée par nous tous. Une mesure controversée. Décriée par nous tous parce qu'on n'avait pas compris comment des gens qui ont été arrêtés pour des détournements, donc des crimes économiques, pouvaient obtenir la liberté sous prétexte d'une certaine grâce présidentielle. Donc, ce sont des faits qu'on a décriés tous à un certain moment. Et je ne comprends pas aussi comment Bakonga peut, à jour d'aujourd'hui, obtenir cette liberté
En tout cas, même si c'est par une grâce présidentielle, à mon avis, ça ne se justifie pas. Comme je l'ai dit, je me répète encore, je vais d'abord avoir tous les détails avant de me prononcer en détail sur cette question. Très bien, on va évoluer vu qu'il n'y a pas assez d'éléments sur la libération de Willy Bakonga. Pour parler cette fois-ci de la rencontre entre les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents du Sénat, les premiers ministres, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, M. François Béa, et les cardinals Ambong, mais aussi les représentants de l'Église du Christ au Congo, je ne sais pas moi comment on l'appelle, Monseigneur ou évêque, Bokundo. Qu'est-ce qui se trame derrière ces rencontres? Ben, rien ne se trame. Rien ne se trame. On parle de l'apaisement. Ben, je crois que tout est clair. Ce qui est dit au salon, lorsqu'on n'est pas là, lorsqu'il n'y a pas de caméras, c'est ce qui est dit lorsqu'il y a les caméras. Tout est clair, rien ne se trame. C'est simplement une mission pour faire comprendre aux princes de l'Église, pour faire comprendre aux évêques catholiques, pour faire comprendre aux responsables de l'Église du Christ au Congo qu'on n'a pas de Congo, que nous avons que ce seul Congo, la République démocratique du Congo, que nous devons tous protéger. Parce que si nous les mettons aujourd'hui en péril, si nous les brûlons, nous n'aurons plus où aller. Et si ils ont par exemple, eux, entre guillemets, des doubles nationalités, ils vont peut-être aller se réfugier en Italie, en Suisse, un peu partout, à Bruxelles, un peu partout à travers le monde. Mais ce Congolais, nous autres, qui avons que la RDC pour unique nation, nous irons où? Ça veut dire qu'on a intérêt de faire en sorte qu'il y ait la paix et la quiétude dans notre pays. C'est l'essence même de cette mission confiée par le chef de l'État à Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale, Modeste Batiloukebo, du Sénat, Sama Lukone, les chefs du gouvernement, mais aussi les spéciales François Béane. Vous savez, on peut beau faire la guerre, mais il faut se tenir compte des conséquences collatérales de cette guerre. On peut décider de débiter la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce que la guerre finit. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Israël et Palestine. Nous connaissons tous les conséquences de ce conflit. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir s'engager à un bras de fer avec l'État. Ça ne sert à rien de vouloir faire la guerre à l'État, d'autant plus qu'on sait qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent aider à résoudre un conflit au sein d'une communauté, au sein d'une société. Et le chef de l'État, en tant que diplomate, en tant que Congolais, en tant que premier citoyen, soucié de voir la RDC évoluer dans une paix, soucié de voir la RDC aller de l'avant, soucié de voir les Congolais être dans un climat de paix, a envoyé ses émissaires pour rencontrer ces princes de l'Église. Je suis en train de suivre ça et là, dans les réseaux sociaux, un peu partout, certains communicateurs dire que il s'agit là du fait que le chef de l'État réalise qu'il ne peut pas construire sans l'Église catholique, qu'il ne peut pas construire sans l'ECC. Non, mais c'est faux, c'est un mensonge. On ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État. L'État reste au sommet, l'État reste au-dessus de toutes choses. Les princes de l'Église savent très bien que c'est lui qui avait crucifié Christ. C'était l'État. C'est lui qui avait tué Christ. C'était l'État, même si, évidemment, Christ avait pour mission de venir mourir pour nous, l'humanité. Mais il a fallu que cela soit accompli. Il fallait que les hommes le fassent. Mais c'est passé par l'État. C'est l'État qui a décidé ça. Ça veut dire qu'on ne défie pas l'État. Les princes le savent très bien. C'est pourquoi, l'ayant compris, le cardinal Ambongo, au sortir de l'audience, a fléchi pour dire que nous évoluons sur de nouvelles bases. Cette phrase de Fridolin Ambongo est mal interprétée par ceux qui ne comprennent pas l'essence de la diplomatie engagée par le chef de l'État. Lorsque le cardinal dit que nous évoluons sur de nouvelles bases, en quelque sorte, il veut dire que tout ce qui est passé, on oublie. Nous oublions. L'affaire Kadima,
Nous oublions, parce qu'ils ont enfin réalisé. C'est la question que j'allais poser. Que la majorité s'était décidée. Et que Kadima a été désigné selon les principes. Ça veut dire que l'affaire Kadima, ils oublient. Ça veut dire que tout ce qu'ils avaient décrié, ils ont oublié. Ils ont enfin réalisé que la majorité avait raison. Et parce que dans une société, il y a des principes bien élaborés. Parce que ils sont là pour prêcher les valeurs. C'est pourquoi Fridolin Ambongo a accepté de partir désormais sur de nouvelles bases. C'est ça ce que ça veut dire. Très bien. Alors, il n'y a pas une autre explication à donner à cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le processus électoral est déjà en marche. Très bien. Avec Monsieur Kadima. Alors, côté ECC, l'évêque Bokundo, à lui, par contre, revient sur les consensus qui avaient manqué, selon lui, dans la désignation des Kadima et son équipe. Pensez-vous aujourd'hui que la mission confiée à ces animateurs des institutions a pour objectif de convaincre les deux églises à accepter Kadima? Bon, que le révérend André Bokundoa n'accepte pas Kadima, qu'il veille d'un consensus. Il est revenu sur ça. Je me dis que c'est un peu contradictoire, parce que quand il parle du consensus, il ne doit pas s'oublier qu'il y a un autre aspect de vote. Et ce qui a été fait, l'a été sur cet aspect des votes. Ce n'était pas sur l'aspect du consensus. C'est ce que leurs propres textes disent. L'aspect du vote. Monsieur Bokundoa, où as-tu placé cet aspect du vote? Pourquoi tu continues à parler du consensus alors qu'il y a un autre alinéa qui parle du vote? Où est-ce que tu as placé cet aspect? Être pasteur, c'est être sincère. Un pasteur, ce n'est pas celui-là qui a pour rôle de vouloir brûler la case. Un pasteur, c'est celui qui a pour rôle d'instaurer la paix. Jusqu'à quand ils vont continuer avec cette démarche de vouloir brûler la case? Heureusement pour eux, malheureusement je vais dire pour eux, le peuple congolais, qui n'est plus dupe, n'a pas voulu adhérer à leur démarche. Le peuple n'a pas voulu adhérer à leur démarche. Ils ont essayé d'instrumentaliser ça et là, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Moi, je pense que il va revenir à la raison, comme Ambongo l'a si bien compris. Il va pouvoir revenir à la raison, comme l'Église catholique. Très bien. Et les choses vont marcher. Je comprends sa désolation. Très bien. Il tenait à ce que leur candidat soit à la tête de la CENI, la majorité l'a emporté devant la deux minorité. Deux questions pour boucler la rencontre entre les animateurs des institutions et les princes de l'Église. D'autres analystes estiment que cette mission a aussi pour objectif de baliser le chemin en vue de convoquer une table ronde. Est-ce que vous voyez également, ou vous partagez également l'avis de ceux qui pensent comme ça? Convoquer la table ronde, pourquoi? Pour traiter de quelles questions? Pour parler des réformes. Quelles réformes? Sur quel plan? Réforme institutionnelle, réforme électorale. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faudra attendre les moments venus, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi organique sur la CENI a été votée, mais reste la loi électorale. Exactement. Qui doit être votée à l'Assemblée nationale. On attend une proposition ou un projet de loi pour que les députés décident, examinent et décident là-dessus. S'il y a réforme sur le sein des institutions, les chefs de l'État, au jour d'aujourd'hui, ensemble avec son gouvernement, sont décidés d'amener les Congolais vers les élections les plus apaisées, les plus crédibles et transparentes de l'histoire de la RDC, du pays. Et donc, je ne vois pas Félix Tshisekedi à une année des élections chercher un dialogue. Pourquoi faire? Glisser un peu comme Kabila. Pourquoi glisser? Pourquoi Félix va chercher à glisser? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ce qu'ils le disent simplement pour la consommation publique, la consommation de l'opinion. Mais leur message n'a pas un véritable contenu. Très bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, il n'y a pas ce souci d'aller au dialogue.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de crise pour qu'on puisse organiser les dialogues. Il n'y a pas de crise pour qu'on puisse organiser une sorte de concertation entre les acteurs politiques. Mmh. Dernière question. Nous sommes tous déterminés aujourd'hui de pouvoir voter à nouveau. On a eu la première alternance en 2018. Nous attendons qu'il y ait les élections qui vont suivre l'alternance en 2023. S'il y aura une autre alternance, bravo aux Congolais qui auront décidé. Si c'est la continuité de Félix Tshisekedi, bravo également aux Congolais qui vont décider conformément, qui vont décider, je veux dire, selon qu'il aura travaillé, selon qu'ils auront apprécié son travail. Et donc, il n'y a pas au jour d'aujourd'hui l'opportunité d'aller au dialogue. Que ceux qui attendent les dialogues, que ceux qui prêchent les dialogues tous les jours, à chaque heure, en tout cas, dernière question. Qu'il replie, qu'il sache qu'il n'y aura pas de dialogue. Dernière question. Maintenant que le cardinal Ambongo dit repartir sur des nouvelles bases, quel est le sort réservé à la Mouka, au FCC, une partie d'ensemble des Moïse Katumbi, tous ces mouvements citoyens qui comptaient peut-être sur l'appui de la CENCO pour mener leur marche, revendication et consorts? Je ne sais pas dire sur ce plateau que la CENCO s'est désolidarisée du bloc patriotique, non. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont formé ce bloc pour combattre les pouvoirs en place. Ce n'est pas un bloc patriotique, non. Il n'est pas patriotique. Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un bloc des pilleurs, un bloc des jouisseurs, un bloc des aventuriers, un bloc des malhonnêtes. Non, mais quand quelqu'un accepte de composer avec Kabila qui est à la base de plusieurs scandales dans ce pays, Kabila qui est à la base de plusieurs détournements, est-ce que celui-là, celui-là est patriote? Parce que celui qui détourne, celui qui détruit son pays n'est pas patriote. Donc, c'est pas un bloc patriotique, c'est un bloc de pierre, comme je le disais tout à l'heure. Quand quelqu'un accepte de composer avec Moïse Katumbi, qui... son travail, c'est aller déstabiliser les institutions dans des salons étrangers. Donc, c'est pas un bloc patriotique. Très bien. Bref, ça veut dire que, comme je l'ai toujours dit, ce mouvement, c'est pas un mouvement qui a long feu. C'est pas un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Donc, c'est un mouvement qui est appelé à disparaître et qui va incessamment disparaître parce que c'est un mouvement plusieurs objectifs. La MOCA, ses objectifs, hein, c'est ces réformes institutionnelles, qui sous-entend les dialogues, parce que il veut l'entrée dans des institutions pour se référer à la santé financière, parce qu'il faut pas oublier que Katumbi, qui est dans les blocs patriotiques, est également dans les institutions. Kabila, qui est dans les blocs patriotiques, est également dans les institutions. Allez, dans les entreprises publiques, il y a les cadres du PPRD qui sont là. Un peu partout à l'intérieur du pays, il y a certains gouverneurs du PPRD, il y a certains administrateurs des territoires du PPRD. Donc le PPRD est encore en train de gérer. Ça, il faut pas oublier. Donc Fayoulou veut se référer à la santé financière. Ambongo, pour lui, c'est cette question de la gratuité. Il veut avoir ces 10 millions qu'il perdait à la fin des qu'il recevait à la fin de chaque mois. Et pour ça, il faut faire des bruits. Il faut en fait, travailler avec les politiciens, composer avec les politiciens, prier pour faire voir que les choses ne marchent pas. Donc, chacun a ses objectifs. C'est une coalition à plusieurs objectifs. Très bien. Alors, lorsque dans un foyer, chacun a ses objectifs, vous ne regardez pas tous dans la même direction, ce foyer est appelé à disparaître. Très bien. Congo Hold Up. Acharnement. Vous voulez la tête des Kabila? Finalement, qu'est-ce qui se passe? On a commencé avec Panama Papers, c'est passé, on a décrié ici les affaires, comment on a appelé ça encore? Carte, je ne sais pas moi, quelque chose carte avec visa. Oui, carte visa. Alors aujourd'hui, on parle de Congo Hold Up. Finalement, qu'est-ce que vous voulez avec Joseph Kabila? Ben, je ne comprends pas le sens véritable de ta question. Mais on ne veut rien à Kabila. On ne veut rien à Kabila. Tout ce que nous voulons, c'est qu'un jour, qu'il réponde de ses actes.
Parce que n'oubliez pas que... Mais il est là, qui m'attaque, très tranquille. Ça vous coûte quoi d'aller, c'est pas moi, déposer une invitation. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'histoire de Matata Pogne, on ne sait plus où Kabila sera jugé. Ne vous en faites pas, il répondra un jour. En fait, cette histoire des Congo Hold Up m'amène à dire que rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Les Congolais n'ont pas oublié la gestion calamiteuse de M. Kabila. Les Congolais n'ont pas oublié les 18 ans de souffrance, les 18 ans de galères, de pleurs, de tueries de M. Kabila. Les Congolais n'ont pas oublié ça. Rien n'est oublié. Ça veut dire que un jour ou l'autre, la justice sera faite. Toutes les victimes de ces régimes cruels, de ces régimes des criminels, toutes les victimes un jour seront rétablies dans leurs droits et ces anciens dirigeants répondront de leurs actes un jour ou l'autre. Donc c'est ce que ça me dit. La communauté internationale n'a pas oublié, la communauté nationale non plus. On n'a pas oublié. Nos blessures sont encore fraîches. Donc Kabila, ensemble avec son premier cercle, répondront un jour de ces actes. Mais quand on parle aussi de ça, il ne faut pas oublier que ces médias qui ont publié cette enquête... Ne sont 18 pas médias. 18 médias, plus 5 ONG, organisations non gouvernementales. 3 millions de documents analysés en 9 mois. Analysés et étudiés en 9 mois. C'est là qu'il y a un peu de doute, même si en réalité les faits sont vrais, parce que 13 millions pour Kabila, 138 millions pour Kabila, ça c'est pratiquement rien. Moi je me dis que quand on parle des détournements Kabila, il faut des milliards. Parler de milliards. Kabila égale milliards. Kabila c'est pas millions. Dans un pays où Luzolo Bambi nous a dit qu'on perdait 15 milliards chaque année, vous nous parlez de 138 millions. Ça ne veut rien dire. Même ça veut dire que Kabila égale détournement des milliards. Mmh. Si les acolytes de Kabila détournent des millions, à combien plus forte raison, lui qui est le patron, lui qui a géré pendant 18 ans des carrés miniers, des mines d'or. Donc ça ne conçoit pas qu'on nous parle aujourd'hui des 133 millions, donc c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais il faut néanmoins retenir que ces médias ne sont pas des enfants des cœurs. De l'RDC. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils peuvent aussi les faire demain avec Fatih. Cela n'est pas mon problème, mais moi je me dis que cette enquête présage quelque chose à venir. Et donc, c'est une façon pour moi d'interpeller au jour d'aujourd'hui les actuels gestionnaires. Les actuels gestionnaires, comme tu l'as dit, les dirigeants actuels, ils doivent comprendre que les regards du monde est fixé sur eux. Mmh. Monsieur Félix Tshisekedi, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions, tous les bons titres du monde, nous pouvons te les donner. Mais il faut te dire qu'un jour, les Congolais se poseront la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait différemment de Joseph Kabila. Très bien. Il ne faut pas qu'à l'issue du règne de Félix Tshisekedi, qu'on dise de lui qu'il a pillé le Congo, comme Joseph Kabila l'a fait. Il ne faut pas qu'à l'issue du règne de Félix Tshisekedi, qu'on dise que Monsieur Kabuya, Monsieur Kabound, François Mamba, Fortuna Bisalele et les autres, la ceinture du chef de l'État, son premier cercle, ils ont aussi pillé, comme le premier cercle de Joseph Kabila a pillé. Il ne faudra pas qu'après votre règne, qu'il y ait les enquêtes pour dire que dans tel pays, il y a des millions dans les comptes des Kabuya, il y a des millions dans les comptes des Kabound. Ils ne doivent pas oublier qu'ils ont lutté pendant 37 ans dans ces pays pour l'état des droits, le bien-être du peuple congolais, pour le peuple d'abord. Il ne faudra pas qu'ils puissent cracher sur la mémoire du feu. Très bien. Etienne, si c'est que du Wamulumba. Siméon Issa. Donc c'est une interpellation à l'endroit de tout cela. Aujourd'hui, ça se raconte un peu partout. Dans les réseaux sociaux, on dit qu'Augustin Kabuya, il a des villas. Il a des villas partout. Kabou, nous n'en parlons pas. Before, Fortuna Bisalele, il a des mines d'or un peu partout.
ça se raconte, ça y est là. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, nous devons nous le dire. Très bien. Ça veut dire que, au jour d'aujourd'hui, les yeux de la population, nos yeux à nous, en tant que peuple congolais, nous qui vous avons soutenu, nous qui avons donné mandat à Félix Tshisekedi, sont fixés sur vous. Nous vous regardons, il ne faudra pas qu'à l'issue de vos 5 ans ou 10 ans de règne, qu'on dise que vous avez détourné, vous vous êtes enrichi illicitement, comme on est en train de le dire aujourd'hui, pour le proche de Joseph Kabila. Sinon, ça sera jeté en pâture les efforts des 37 ans de lutte. Je reviens sur Joseph Kabila Kabangi, l'ancien président de la République. Vous estimez que l'un ou l'autre jour, Joseph Kabila sera jugé. Mais aujourd'hui, il y a quand même des faits qui nous poussent à croire que Kabila, c'est quelqu'un qui ne se présentera jamais devant un tribunal. Non. Kabila a quitté... Attendez. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas. Finissez la question. Kabila a quitté le pouvoir aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans. La loi dit qu'avant d'entrer en fonction, 3 mois avant, il faut déclarer les patrimoines. Et après la sortie, ou après avoir quitté ses fonctions, 3 mois après, où il faut également déclarer son patrimoine. Joseph Kabila a quitté le pouvoir, ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui. Il n'a jamais déclaré son patrimoine et il n'a jamais été inquiété pour ça. Est-ce que déjà, si un fait, je dirais même mineur comme ça, n'est pas réglé. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a connu comme massacre, comme détournement, Kabila va un jour se présenter devant un tribunal? C'est possible dans ce pays. Kabila n'est pas au-dessus de la loi. Kabila n'est pas un super Congolais. Kabila, c'est un Congolais. Il y a 3 ans qu'il n'a pas, déclaré son patrimoine. Kabila, il est là, tranquille, Kabila, Kabila, c'est un Congolais comme toi et moi. C'est un individu. Un citoyen congolais comme toi et moi. Dans sa, dans son corps, là, il y a les sangs rouges qui coulent dans les veines, comme toi et moi. Il n'est pas un super-homme. À la seule différence que, il est peut-être un sénateur à vie. Mais encore est-il que ce titre-là, je vais parler des avantages, peuvent lui être ravis. Parce que, les statuts des anciens chefs de l'État élus a été voté par le parlementaire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on considère que Kabila doit être jugé, parce que c'est ce qui doit être fait, nous devons prendre les initiatives. Et je sais que ça sera fait incessamment pour que les parlements puissent déverrouiller certaines dispositions de cette loi. Parce qu'on ne sait pas imaginer que quelqu'un qui a commis de si graves crimes économiques puisse demeurer impuni. C'est quelle leçon que nous donnons à des générations futures? C'est quelle leçon que nous donnons à nos enfants? C'est quelle leçon que nous donnons aux Congolais qui vont naître après nous? Non, il faudra pas que dans ces pays, on donne l'impression qu'il y a des super Congolais et des Congolais qui sont appelés à tout subir. Non. C'est pourquoi nos parlementaires sont ici interpellés pour qu'ils se saisissent de cette situation, qu'ils modifient en urgence ces statuts pour que M. Kabila soit jugé. Il doit être jugé. Mais avant que les parlementaires... Il a été malais, Joseph Kabila. Il a fait voter, conscient, il a sur sa maison. Conscient du fait qu'il a commis beaucoup, il a commis des graves crimes sur le plan économique, sur le plan humanitaire. Des graves crimes, je veux dire. Il a fait voter une loi pour constituer une sorte de verrou autour de lui, autour de sa famille. Une loi taillée sur sa mesure. Une loi taillée à sa mesure. Mais il s'est trompé. Tout en faisant voter la loi, les mêmes députés qui ont voté la loi très bien. Ne sont pas revenus. On va terminer l'émission. Parce qu'aujourd'hui, les députés qui ont adhéré à la vision du chef de l'État, de l'État des droits. Mais aujourd'hui, ils sont conscients. Ils sont conscients. Qu'est-ce qui a changé? Ils sont en mesure de décider pour déverrouiller cette loi. Très bien. Oui. On va terminer l'émission. En 2 minutes, Moïse Katumbi vous accuse, bon, pas vous personnellement, Moïse Katumbi accuse les pouvoirs en place de vouloir l'écarter de la course au fauteuil présidentiel. Comment trouvez-vous aujourd'hui cette déclaration de Moïse Katumbi? Est-ce que, vu son rang, vu tout ce qu'il a été dans ces pays, est-ce qu'il peut se permettre des propos si faciles comme ça? Vous savez, moi, j'aime pas toujours parler de Moïse Katumbi parce que
moi, je considère qu'il ne connaît pas la politique. Alors, comment ça? C'est un affairiste. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas la politique, il vient un peu s'embrier pour faire les jeux d'enfants, un jeu un peu puéril, là, il faut les laisser. C'est le patron des grands partis politiques. Vous n'allez quand même pas dire qu'il est venu s'embrouiller en politique. Il est en train de s'embrouiller. Parce que moi, je ne m'explique pas qu'il aille se plaindre à l'extérieur devant la communauté juive. Alors que c'est pas la communauté juive qui doit décider sur son sort. Ce sont les Congolais qui sont ici qui doivent décider sur son sort, sur le fait qu'il doit être désigné président ou pas. C'est nous qui allons voter. Vous placez des obstacles bien avant même la compétition juive qui doit voter. Est-ce que Monsieur Moïse Katumbi peut-il nous dire un seul obstacle placé par Félix Tshisekedi pour qu'il ne soit pas présidentiable? Peut-il nous le dire? Pour qu'il ne soit pas candidat en 2023. Il conteste, c'est quoi cet obstacle? Il conteste la c'est quoi la cet obstacle passé, placé sans, par sans consensus des Kadima? Non, non, c'est pas ça son combat. C'est pas ça son combat. Là, c'est notre chapitre. Si vous ouvrez, ben, ça va encore nous prendre du temps. On va entrer dedans. Moïse Katumbi est allé négocier des postes à la CENI. Il n'a jamais contesté Denis Kadima. Comment les gens qui doivent te désigner sont en RDC, mais tu vas te plaindre devant, en Europe, devant la communauté juive? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moïse n'est pas au jour d'aujourd'hui à mesure d'énumérer un seul fait posé par les chefs de l'État, par l'actuel régime, qui prouve qu'il y a ce complot de l'écarter de la présidentielle. Il n'y en a pas. Par contre, nous pouvons citer autant de faits qui démontrent que le régime actuel a approché Moïse Katumbi et a fait en sorte qu'il revienne au pays. Ce n'est pas Kabila qui a fait pour que Katumbi revienne au pays. Kabila l'a envoyé en exil. C'est Tshisekedi qui a donné à Katumbi les passeports et tout son entourage. C'est le régime de Tshisekedi. Parce que le régime Kabila avait refusé. Ça veut dire que s'il est revenu à RDC, c'est grâce à Tshisekedi. Katumbi était déjà condamné par la justice congolaise dans l'affaire Stupis. Les dossiers de mercenaires. Mais parce que l'état des droits prôné par Tshisekedi a creusé le fait, a trouvé qu'il s'agissait d'un acharnement simple, Katumbi a été blanchi et les condamnations ont été annulées. On peut citer autant de faits qui prouvent que les régimes actuels sont de bonne foi et est en train d'appliquer rien que la loi, c'est la justice distributive. Mais Katumbi n'est pas au jour d'aujourd'hui à mesure de citer ces faits qui prouvent que le régime agit pour l'écarter de la course, de la compétition présidentielle. Mais s'il veut faire allusion à cette loi de Noé Tchani, oui, on connaît tous que Katumbi n'est pas congolais parce que on doit se référer à cette lettre ouverte. Ma part de vérité de Jean-Claude Muyambo, écrite, à moins que je me trompe, en 2015 ou une année comme ça, Muyambo a si bien dit clairement dans cette lettre que la mère de Katumbi était de nationalité zambienne. Et lorsque sa mère est de nationalité zambienne, son père de nationalité juive, ça veut dire que Katumbi n'est pas congolais. Et donc s'il vient aujourd'hui à RDC vouloir devenir chef de l'État par imposition, et Alinga Tshambanga, comme les Kinois disent. Mais là, ça ne va pas. Très bien, passer. On va terminer l'émission. Moïse Katumbi, bien avant que le président ne puisse signer l'ordonnance, il avait écrit à Fatih pour lui demander de ne pas entériner ou valider la décision ou l'entérinement des Kadima au niveau de l'Assemblée nationale. Un jour après, le président signe l'ordonnance. Moïse Katumbi annonce des consultations à Kinshasa. Il atterrit ici. Deux jours après, il rentre à Lubumbashi pour poursuivre les consultations. Moïse Katumbi s'envole finalement pour l'Europe, l'Amérique. Et là, il vient de regagner les pays. On annonce une probable rencontre entre lui et le chef de l'État. Pendant ces temps, ce service nous renseigne que l'option de quitter l'Union sacrée n'est toujours pas exclue. Alors finalement, à ce jour, comment trouvez-vous la position de Moïse Katumbi? S'il doit aujourd'hui rencontrer les présidents de la République, c'est pour discuter autour de quoi? C'est comme je l'ai dit au début de cette question. Rapidement, parce qu'on a largement débordé. Alors, je disais que Moïse Katumbi, c'est un indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas décider. Autrefois, je l'ai qualifié des poltrons aboyeurs, ça veut dire qu'il est là, il aboie, mais il est à mesure de rien faire. Mais je ne sais pas s'il rencontre les chefs de l'État, ça sera pourquoi le dire, et je ne suis pas d'ailleurs sûr que cette rencontre
aura lieu, je sais en tout cas de quoi je parle, il doit se décider. Il doit se décider, soit il quitte l'Union sacrée, soit il reste. Mais s'il quitte l'Union sacrée, ça ne sera pas parce qu'il aime les Congolais. Ça ne sera pas pour l'intérêt des Congolais, ça sera pour son intérêt propre. Très bien. Simplement parce qu'il n'a pas eu de poste au bureau de la CENI. Il a négocié en catimini les postes au bureau de la CENI. Et parce qu'il ne les a pas obtenus, compte tenu de son poids faible à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il avait fait cette lettre-là au chef de l'État. La lettre n'était pas liée au fait que Kadim était contesté, la lettre était liée au fait qu'il avait raté d'avoir un poste au bureau de la CENI. Très bien, voilà, on a terminé l'émission. Siméon Issako, merci de votre disponibilité. Merci, Hervé. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.